Nous pour ayant accepté d'aller aux élections avec la machine, n'est-ce pas? Et c'est ça la trahison. Parce que selon eux, ce serait un deal que nous avons passé avec le pouvoir d'accepter Chadari comme futur président et nous on prendrait la primature. C'est comme ça qu'ils nous font passer. Mais maintenant que eux vont s'aligner sur la même position, qu'est-ce qu'on peut penser d'eux? Qu'ils auront aussi trahi? Donc vous voyez que c'est vraiment... du n'importe quoi. À Genève, nous avons passé 3 jours, vous entendez, du 9 au 11, 9, 10, 11 novembre, à discuter sur cette histoire de marché. Je me tuais tout le temps à leur dire, écoutez les amis, si nous mobilisons notre peuple comme il se doit, tous ensemble, derrière le candidat commun que nous choisirons, eh bien, vous allez voir qu'il va les surveiller, les gens vont voter, on va afficher les choses. Ils refusaient, ils voulaient aller dans le scénario de l'affrontement. Je leur ai dit, mais comment allez-vous aller à l'affrontement sans raison? Nous annonçons à la population de Mbujimayi et donc du Kassai oriental en général que demain jeudi,
13 décembre, nous allons descendre à Mbujimayi. Nous serons à Mbujimayi dès demain, en début d'après-midi. Et nous demandons à la population tout entière de se mobiliser pour venir accueillir la délégation du CASH, le Cap pour le changement. Nous allons arriver avec un message comme nous l'avons fait à l'est du pays. Nous venons de terminer une tournée à l'est du pays et vous avez vu l'engouement qu'il y avait, malgré le fait que nos amis, certains de nos amis de l'opposition ont tenté de nous piéger pour continuer à tenter de nous humilier. Ça n'a pas pris du tout parce que notre message est passé et nous avons réussi à convaincre, à retourner cette manipulation qui a été faite contre nous, injustement et dans le but unique d'humilier, de déstabiliser une équipe qui gagne. Nous annonçons à la population de Mbujimayi et donc du Kasaï oriental en général que demain, jeudi 13 décembre, nous allons descendre à Mbujimayi. Nous serons à Mbujimayi dès demain, en début d'après-midi, et nous demandons à la population tout entière de se mobiliser pour venir accueillir la délégation du CASH, le Cap pour le changement. Nous allons arriver avec un message comme nous l'avons fait à l'est du pays. Nous venons de terminer une tournée à l'est du pays et vous avez vu l'engouement qu'il y avait, malgré le fait que nos amis, certains de nos amis de l'opposition ont tenté de nous piéger pour continuer à tenter de nous humilier. Ça n'a pas pris du tout parce que notre message est passé et nous avons réussi à convaincre, à retourner cette manipulation qui a été faite contre nous, injustement et dans le but unique d'humilier, de déstabiliser une équipe qui gagne. Banabetu, Bakou Mbujimayi, Nenu Bonsu ni Bakou Kasaï Oriental, Ndinu Manisha Boase, Tudi Tufika, Malabawa, Ginaï, Mouma 14h-15h, Mbujimayi, Tuloa Loa, Nibanabetu Bonsu Bakash, Cap pour le changement, Mukalenga Kamere, Udukulusaka Loani, Nikala Hofu, Nitupetanga na Bonsu, Ndinu Lomba Boase, Nuloa, Nufika Babu, Niku, Kutipalu Chandeka, Nuloa Kutoa Kidila, Tudini mei akuno ambila. Tudila bikola bwa comportement wa bana betu ba opposition. Badi batwenzela malu mabi. Kutu vubaye kwe kukubeni ni kubunya. Mbanga tansonga luma. Baba nuisha ni mamba ni mala. Bwa babwela bikala balwa. Banyanga kuji message atu dibalo nao. Tetu kato nabalo kuluisha angana to, kato nabalo kukebela angana bilumbu to. Tue tutitu tuifatila, chani bukalenga bujilelu kumutu kwa Kongo, bumbuka, bwalumbu nyanga, jitu nga jetu, bikola be. Kuwesto kutu jibafumeku, jitu nga jonsu njifwa. Kongo ujue ndufwa. Bakalenga badinetu mu opposition kimbaluishi betu to kabe na mu akwikala batoelela to etu mabwa mu mikolo bwani batukebela bilumbu ni bantu to kato na basote bilumbu to situ tuipatila te etu nchani badibakengesha Kongo badibashipa Kongo bakwata njila baya kumasungulana adi Afrika mu le 23 décembre ou lo aloeu ni tunubikila ni tunuleja mushindo wa ni Malaba tutufika mu capitale diamantifère Mbujimayi wa Balengela twajiki tourner wetu mu province wa Sud Kivu Mbujima province wa Nord Kivu ni province wa Kala province orientale
Félix Mkalenga wadi tungedi le 23 décembre 2018. Tchèda ni bo wato, ni mmanye ni Félix mwana wa Kasai Oriental. Tchèda ni lomani loba wuto. Lwai mwenu bonso. Walu luangata Mkalenga mwenu mkwasa. Malaba dituku ya decision wandekelu. Este ni centre bidibi luamu mwaba umwa. Je suis un peu plus de temps. Je ne vous demande pas de venir nombreux, mais de venir vous tous. Parce que vous avez vu comment notre président, qui sera élu, à n'en point douter, le 23 décembre 2018, a été accueilli à l'est de la République démocratique du Congo, au Sud Kivu, toute la province, au Nord Kivu et l'ancienne province orientale. Nous venons de terminer une étape importante. C'est la plus grande base électorale selon la cartographie de la CENI. Et là, on peut dire bravo à Félix Tshisekedi, bravo à la population des provinces que nous venons de citer. Et donc vous, je sais que c'est prêché aux convaincus, vous serez là tous. Et tout ce que nous vous demandons, c'est de ne pas faire comme les autres, dans l'ordre, dans la discipline, parce que je sais qu'il n'y aura pas d'endroit pour marcher, il y aura tellement de monde. Merci beaucoup, nous serons là au plus tard, 14h, 15h, nous serons en Mbujimayi. Merci. Donc nous commençons la tournée du centre par M. Maï Oberkaï. Merci beaucoup.